Pendant une semaine, ils ont vécu dans le temple de la Vierge Marie. Ils ont marché sur les traces de Sainte Bernadette de Soubérous à Lourdes, dans le sud-ouest de la France. 87 militaires catholiques ivoiriens, issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, de la police, des douanes ivoiriennes, des eaux et forêts et des affaires maritimes et portuaires ont pris part au 56e pèlerinage militaire international. Ces lieux saints leur a permis de partager aux côtés des autres pèlerins venus du monde entier des moments inoubliables et surtout réfléchir sur le thème « Serviteur du Christ, serviteur de la paix ». Tout a commencé par la visite de la grotte, lieu incontournable du sanctuaire. Et c'est là que la belle dame vêtue de blanc et le chapelet à la main se fit connaître à Bernadette. Là, les pèlerins ivoiriens ont adressé des prières pour la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Cette Vierge Marie intercède pour la paix en Côte d'Ivoire. Les pèlerins ivoiriens ont sacrifié à une tradition, le chemin de croix ou la méditation de la passion du Christ. Un chemin de foi qui les mènera sur les pas de Sainte Bernadette, de l'église paroissiale jusqu'au cachot. Également à la bergerie où elle gardait et abritait son troupeau. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à la basilique souterraine Saint-Pie-X en présence de 12 000 militaires venus de 44 pays. Il s'agit à ce jour du plus grand rassemblement mondial de militaires dont le but est de partager et prier pour la paix entre les nations. La délégation ivoirienne était conduite par le général de brigade de Teloto Firmin, chef d'état-major général adjoint des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées françaises, a au nom du pape François invité les participants à être des artisans de paix. Un message bien accueilli par les pèlerins. Le Christ lui-même a demandé la paix. Il est amour, Dieu est amour. Donc un militaire qui est au service du Christ, il est pour la paix. Tout ce que nous avions appris ici se résume à l'amour. Et pour maintenir cette paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le festival de la musique, la grande procession mariale, la retraite au monument aux morts ont constitué les autres temps forts du 56e pèlerinage militaire international de Lourdes en France.